Autre actualité dans ce journal, la prolifération des déchets plastiques dans nos villes, véritable cause de pollution de l'environnement. Fort heureusement, il y a le recyclage, une mine d'or pour la société de collection et de recyclage des déchets plastiques. Le tri et le broyage est la première étape de valorisation de ces déchets plastiques. Une unité de tri installée à Ouagadougou. Une équipe de la télévision est allée voir ce qu'elle fait, le constat avec Mounira Kéré. À vue d'œil, on dirait un dépotoir à ciel ouvert. Mais c'est là que Aminata Sanfo et ses camarades tirent leur pitance quotidienne. Elles contribuent à redonner vie aux déchets plastiques. Ici, rien ne se perd. Même le plus petit objet a une chance de connaître une nouvelle vie. On ne jette rien. Tout ce que vous voyez a une valeur. Ces gros sacs remplis de déchets plastiques sont acquis auprès des collectionneurs installés dans les coins et recoins de la ville de Ouagadougou. Une fois entre les mains de ces femmes, le contenu est trié selon des critères bien définis. Chaque lot a sa couleur, le noir, le rouge, le blanc, le bleu, le vert. Nous trions pour le broyage. Les déchets triés, les nouveaux sacs sont conduits dans cette unité de broyage située à l'intérieur du labyrinthe. Là, un autre groupe est à l'œuvre. Ils transforment les déchets plastiques en paillettes, des paillettes de toutes les couleurs, qui sont ensuite lavés, puis conditionnés dans des sacs de 50 kg. Il y a environ 5 ans que je travaille ici. Je n'ai pas autre boulot et certains de mes enfants sont décédés. C'est la misère, mais ce boulot m'aide beaucoup. Ce sont les hommes qui collectent les déchets plastiques et les femmes font le tri. Ici, il y a aussi des soudeurs et des mécaniciens. Ce métier lutte contre le chômage. Ce sont des tonnes de paillettes qui quittent cette unité chaque mois pour le Ghana. À en croire le promoteur, elles sont transformées en divers objets utilitaires et revendues aux consommateurs burkinabés. Ils fabriquent des seaux, du sachet plastique, des bouilloires et bien d'autres objets recyclés qui reviennent sur le marché. Mais pourquoi ne pas recycler ces plastiques sur place au Burkina? Sur place, la transformation est Nous avons pensé à transformer sur place, mais sans accompagnement, les contraintes sont nombreuses. Les papiers, le coût. Car cela ne tienne, cette unité de tri et de broyage contribue à préserver l'environnement en débarrassant la ville de Ouagadougou des tonnes de déchets plastiques. Mieux, l'activité offre une opportunité à ces femmes et à ces jeunes de vivre dans la dignité.